tous. Bonjour frères et sœurs, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie de louer le Seigneur? Il y a déjà qui se lève. Eh bien, je vous invite à vous lever, oui, on va se réjouir dans la présence de Dieu. Et on va louer notre Seigneur. Soyez les bienvenus, vous peut-être qui arrivez pour la première fois dans ce lieu. Sentez-vous comme à la maison. On va chanter, on va louer. Il y a peut-être des problèmes d'affichage de paroles, mais est-ce que ça va nous arrêter de louer le Seigneur ce matin? Amen. On peut prier pour l'équipe technique, il y a des petits problèmes techniques, on pense à eux. Est-ce qu'on peut leur faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour l'équipe technique ce matin? Let's go, guys, on est avec vous. Et on peut frapper des mains comme ça. Allez, on va se réjouir. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Et déclarons mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a aidé. Déclarons encore, mon papa est fidèle, oui. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, nous sommes dans la joie ce matin. Oui, je suis dans la joie. Ce matin, attends-toi vers ton voisin et dis-lui, danse pour Jésus avec moi. Viens danser pour Jésus avec moi. Car il a été fidèle dans ma vie. Et on va bouger comme ça ensemble. Vers la gauche de près. Et un, deux, trois. Et un, deux, trois. Et un, deux. Hey.
chanson, je suis dans la joie. Oui, je suis dans la joie. Oui, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Oui, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ce matin dans ce lieu, alléluia, il m'a libéré. Faisons trembler les murs de cette église ce matin, car il est fidèle, car il est droit, car il est juste, car il est merveilleux. Il nous a ouvert le ciel, il nous a accordé sa grâce dans sa miséricorde, il a tourné son regard vers nous. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On va continuer à ce chant qui proclame le nom de Jésus. Vous pensez qu'on va faire ça toute l'éternité ensemble, chanter le nom de Jésus. Don't
Seigneur Jésus, nous sommes tellement fiers du nom de Jésus. Oh, nous sommes tellement fiers de proclamer ce nom ce matin. Seigneur Jésus, sois le bienvenu, nos cœurs sont dans la joie. Seigneur Jésus, nous n'avons plus rien à craindre parce que le nom de Jésus est sur nos vies. Parce que le Saint-Esprit nous remplit, Seigneur Jésus, ce matin. Nous sommes venus uniquement pour toi seul, Seigneur. Oh, ton nom est merveilleux, ton nom est grand. Seigneur Jésus, ton nom est puissant. Tu es le grand Dieu, inébranlable. Oh Jésus, merci. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. C'est merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom
c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, chante comme une prière ce matin, élève sa voix et dis-lui ta présence. Ta présence, oh, c'est le ciel, c'est le ciel pour moi. Alléluia, ta présence, c'est le ciel ce matin. Seigneur, ce matin, qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Mais ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Oh, chante-toi ensemble ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Alors que nous sommes unis en toi ce matin, tu es au milieu de nous, Père. Oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur. De mon passé, de tout lien, oh. Tu tiens ma vie,
d'être adoré. De paix, un moment de douceur que Dieu devrait nous permettre de vivre. Le Seigneur nous parle et il nous dit: je ne suis pas juste le Dieu du bruit. Je ne suis pas juste le Dieu du calme. Je suis le Dieu de tous les jours. Je suis le Dieu des hauts et des bas. N'attache pas ma présence au calme ou au bruit. Attache-toi à cette promesse que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur,
Seigneur parle spécifiquement à quelqu'un, tu es là et tu es bousculé par, par ce moment de chant où tu dis mais c'est trop bruyant pour moi. Tu es quelqu'un d'extrêmement attaché à ta religion. Et Dieu te dit spécifiquement à toi, ne t'attache pas à ta religion mais attache-toi à moi, le Dieu vivant. Dieu qui a payé le prix à la croix pour que je sois présent dans ta vie tous les jours. Ainsi, je veux que tu me découvres dans ton quotidien, dans une véritable relation intime et profonde. Ce matin, approche-toi de moi. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, mais cherche-moi et tu me trouveras. Seigneur veut poser sa main sur quelqu'un, tu as un problème au niveau de la thyroïde et le Seigneur te guérit instantanément. Instantanément. Il pose sa main sur toi. Quelqu'un, tu as un problème, tu as une maladie au niveau des ongles et le Seigneur te touche, il te guérit, il te purifie, il te libère de cette maladie au niveau des ongles. Dieu est présent, il guérit, il agit. Tu as des palpitations cardiaques complètement déréglées. Il y a des moments où tout d'un coup ton cœur s'emballe et ça te cause énormément de problèmes et les médecins sont très inquiets et le Seigneur te touche et il vient comme régler ton cœur. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu vas constater dans les semaines à venir que ces palpitations ne seront plus venus. Malgré des moments un peu bousculants que tu vas vivre, ces moments bousculants seront là pour que tu constates que Dieu t'a guéri. Ainsi, ne t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Chantons, je t'adore comme David. Adorons-le. Verset 7, alors que nous sommes dans l'adoration, les yeux fermés, il est écrit le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Je répète, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Dans l'église primitive,
se réunissaient tout particulièrement le premier jour de la semaine pour rompre le pain. Ils avaient choisi de prendre du temps pour se souvenir de la mort de Jésus à la croix. Mais ils avaient choisi de le faire le premier jour de la semaine parce qu'ils voulaient se souvenir que Jésus était ressuscité. C'est pour cela que nous nous réunissons le dimanche matin. C'est parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Et nous voulons nous souvenir que non seulement il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité. À la croix, il a pris nos péchés. Il a pris nos souffrances. Mais à la résurrection, il a entièrement vaincu le péché. Vaincu le diable, vaincu l'enfer. Il a fini d'accomplir son œuvre extraordinaire. Et nous voulons aujourd'hui prendre la Sainte Cène pour ceux qui l'ont préparée. Et peut-être que tu l'as oublié, mais c'est pas grave, prends ce temps maintenant pour célébrer Jésus de ce qu'il a fait à la croix. Mais célèbre Jésus de ce qu'il est ressuscité, de ce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le diable et il a vaincu l'enfer. Il est vivant et il est avec nous ce matin pour nous guérir, pour nous libérer, nous transformer. Priez avec moi, célébrez Jésus avec moi. Seigneur, merci pour ce pain. Seigneur, merci pour ce vin. Merci de ce que nous pouvons nous arrêter pour nous souvenir de ce que tu as fait pour nous il y a 2000 ans. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir été meurtri afin que nous soyons guéris. Merci parce que ton sang a coulé afin que nous soyons pardonnés. Mais merci parce que nous pouvons prendre cette sainte cène en nous souvenant que tu es ressuscité des morts. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu le diable. Tu es plus que vainqueur. Et parce que tu es vainqueur, nous le sommes aussi. Et nous voulons prendre le temps maintenant de te célébrer. De prendre cette sainte cène en te célébrant pour ce que tu as fait. Nous voulons le faire de tout cœur, avec sérieux. Et nous ne voulons jamais oublier. Alors que nous allons continuer de t'adorer, nous ne voulons jamais oublier ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Prenons le pain et prenons le vin. On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. Au jour
présent. Dieu est présent ce matin parmi nous et va encore toucher une personne. Vous avez, on a diagnostiqué sur vous une tumeur au niveau d'un rein. Et quoique les médecins aient été réalistes, n'est pas alarmistes, vous, ça vous a mis dans un état tellement, tellement, tellement de peur a envahi votre âme et votre cœur. Tel un matin, elle te dit, ma fille est confiance en moi. Ma fille est confiance en moi. Cette maladie n'est pas à la mort. Et confiance en cette parole que je te donne maintenant, cette maladie n'est pas à la mort. Et dans la mesure où tu lui feras confiance à cette parole, tu verras aussi tes craintes et tes angoisses diminuer. C'est ainsi que tu pourras gérer tes craintes et tes angoisses en proclamant par la foi ce que je t'ai dit ce matin. Il y a aussi un jeune homme à qui Dieu veut parler et qui est appelé au ministère. Et Dieu lui dit, mon fils, oui, c'est moi qui t'ai choisi parce que je t'aime et que je t'ai façonné ainsi. Je t'ai choisi pour l'œuvre à laquelle je vais t'envoyer. Mais pour l'instant, tu vas trop vite. Tu ressembles à David qui a revêtu l'armure de Saül. Elle lui était trop grande. Il faut que tu grandisses. Il faut encore du temps. Il faut encore du temps pour que tu grandisses dans la foi, dans la connaissance de la parole, dans la stature spirituelle. Et alors je pourrais t'utiliser au temps convenable, parce que tu auras mûri. Pour l'instant, reste dans l'humilité. Accepte de faire les tâches que te confient les aînés, même celles qui ne sont pas de grande importance et qui sont cachées. Et puis enfin, tu ressembles à cet homme qui veut enfoncer un tire-bouchon dans la bouteille et de force sortir le bouchon. Ne force pas la main des autres. N'essaie pas de t'imposer. N'essaie pas de t'imposer. C'est moi qui te mettrai en place au temps convenable. C'est moi qui disposerai les temps et les circonstances et qui t'élèverai au temps convenable à la place que je t'affecterai. Pour l'instant, reste fidèle dans les petites choses et je te confierai de plus grandes. Le Seigneur veut parler ce matin à plusieurs personnes. Et vous êtes surtout plusieurs, vous êtes là pour la première fois en ce lieu. Et il y a cette parole de l'Écriture, Jésus s'étant adressé à une femme samaritaine qui ne le connaissait pas. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et le Seigneur a vu vos vies, vous avez tant de besoin d'amour, vous avez tant besoin de guérison, vous avez soif de justice, de vérité, et vous soupirez. Et ce matin, le Seigneur vous dit, je suis ce puits d'eau vive. Si vous vous approchez de moi, si vous ouvrez votre cœur à ma parole, je vous abreuverai, je changerai votre vie, je vous guérirai, je vous sauverai. Car j'ai vu votre soif, et moi seul peux vous sauver, vous guérir et vous libérer, vous dit le Seigneur qui vous aime. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de parler, merci d'agir au milieu de nous, merci d'être là. Et merci de prendre tellement bien soin de nous. Merci pour ces locaux, merci pour tous les bénévoles, pour tous ceux qui sont employés à l'église, qui s'affairent, qui travaillent dur tout au long de la semaine. Merci de nous avoir donné tant de bons ouvriers dans cette église. Merci d'avoir pourvu et merci de pourvoir. Et merci pour tous ceux qui donnent généreusement, bénis-les. Merci Seigneur Jésus de continuer de nous aider à être des bons gestionnaires de l'argent que tu nous confies. Vraiment aide vraiment l'équipe pastorale, tous ceux qui sont appelés à gérer ces finances, le CA, Seigneur aide-les, inspire-les pour être de bons gestionnaires des finances. Au nom puissant de Jésus, amen. Amen, amen, amen. On va tous se lever pour faire un dernier chant et se réjouir et célébrer le Seigneur. Merci pour les deux amen et demi. On va faire la fête une dernière fois. Est-ce qu'il y en a qui sont passés de l'ombre à la lumière dans ce lieu? Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont passés de l'ombre à la lumière ici? Est-ce qu'ils peuvent pousser un cri de joie vers le Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Lève-toi mon âme et souviens-toi tout mon
jardin. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Pokémon, où est Pokémon? Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui lit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de ce n'est plus moi. Alléluia, tonnerre d'applaudissements pour Jésus.